des paris. Contre Nantes la semaine passée, les Clermontois qui sont Paris Saint-Germain de la 31e journée. C'est parti. Herrera, Draxler, Di Maria et Marquinhos. Il y aura de bonnes échéances pour Clermont. 7 buts et 13 passes décisives cette saison en Ligue 1 pour Mbappé, ça a rapporté Verratti. Messi, Mbappé, il y a un homme au sol, mais ça joue, c'est Neymar finalement qui croise sa frappe et le but est validé. Ouais, alors que les Clermontois sont fous de rage de voir que Monsieur Atelier a laissé jouer alors qu'un Clermontois était au sol dans la surface. Ouais. Là, ça va très très vite avec Mbappé, c'est Seydou qui va devoir jouer le duel et qui l'a remporté cette fois-ci face à Kylian Mbappé. Ça va le remettre sûrement en confiance. Dossou sur le côté droit, le Béninois qui va pouvoir provoquer Katian un petit peu. Bien joué vers Dossou. Il est bon ce ballon pour Dossou à l'angle de la surface de réparation. La frappe elle est trop. Hakimi sollicite le Messi. Messi sur son pied gauche, la feinte, on la frappe ensuite du pied droit. Elle va passer au-dessus du but de Desmas. Ouais, la feinte. La passe elle est magnifique de Mbappé. Le retrait, c'était pour Neymar qui était arrivé. Deuxième chance, non. Bon tacle, excellent tacle de Gastien. Bien ses phases de jeu. Mbappé qui s'était aidé de la main pour contrôler ce ballon. Ouais, ce ballon qui était dans cette partie. Neymar au milieu de trois joueurs. Si, bien joué, le ballon il est bon pour Mbappé qui a devancé la sortie d'espace et qui inscrit son 18e but de la saison d'un lob subtil, tout en technique, tout en touché. Ça fait 2-0 pour le PSG. Ah, c'est magnifique. Sou qui va essayer de provoquer Ramos et Kimpembe. Mendes aussi qui garde ce ballon et qui s'amarre. Il combine encore les trois récupérations. Le meilleur et qui va essayer d'éliminer ballon qui revient. Pour essayer de lancer Bertonnier face à deux Parisiens. Action qu'il adore, Mbappé. C'était dans un tout petit essai. Mendy qui peut essayer de pousser. Hakimi va très très vite, il va le reprendre, mais il aura la touche. Ariel Mendy, et ça aussi, ça peut emmener. Gastien. Provoquer, essayer de mettre de la vitesse. Dossou qui est revenu et qui va commettre une faute. Non, sans commettre de faute. Ah oui, il y a des fautes. Ouais. Ah oui, oui. Ça semble assez. Aussi. Ouais, bien joué Hakimi, pas de hors-jeu. Il va jouer finalement le 1 contre 1 face à Nuno Mendes. Il va le prendre en jambes, c'est passé pour Mbappé, le centre du pied gauche ensuite. Et Mendy obligé de prolonger ce ballon en corner. Personne ne m'a parlé, dit-il. Oui, alors ça, personne ne m'a parlé. Et c'est une situation nouvelle à Gérard. Face à Kimpembe, il est passé, Bayo en puissance. Bon, il a choisi le côté droit, ça revient vers Bertomier, qui était en phase descendante au moment de reprendre cette tête. Ouais, ça c'est une solution pour les joueurs de Clermont. Avec Dossou en profondeur, c'est pour le duel. Ah, lui, il ne va pas vouloir le montrer. Il va arriver. Ah, il y a une bonne encore dans des tout petits espaces, Verratti. Et encore une. Les joueurs de Pascal Gastien ont besoin d'eux. C'est frappé. Verratti, Messi, Gay qui s'essaie de loin. Ça va monter très haut. Trop haut pour le milieu de terrain sénégalais. Desmas. On a beaucoup d'envie à tout le monde, Eric. Évidemment. Bon, ça y fait Linkaoui, ça c'est bien joué. Le centre de Kaoui. Et un deuxième poteau. L'arrivée de Dossou. On s'entend que les Clermontois allaient mieux et sur un très très joli mouvement. Ils sont récompensés grâce au deuxième. Des opportunités. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Bayo. La sortie. Danilo faute de Danilo. 2-0 à Lorient. C'est bien frappé par Bertomier au deux. Pour Neymar, c'est du velours là ce que vient faire Mbappé. C'était du velours aussi pour Neymar. Et c'est une belle parade pour Desmas. Et finalement, on a vu Clermont se rebiffer dans les 10. Mi-temps dominé en grande partie par le. Messi entre deux. Verratti. Tout en vision du jeu aussi pour Sergio Ramos. Mais ce n'est pas passé, Seydou était là. Pour empêcher Messi de prendre de la vitesse sur une faute sifflée contre les Clermontois. Kimpembe, Ramos, pour jouer Messi, le décalage vers Neymar. Ballon qui peut être un temps fort Clermontois. Gastien qui a tenté sa chance, a été dévié à corner, concédé par Presnel Kimpembe. Ouais, c'était audacieux, il est loin. C'est bien frappé, tête de Ramos, ça va passer au-dessus. Ouais, Ramos, présent dans le domaine aérien, mais là qui peut pas rabattre ce ballon. Poussé, il est passé, Mbappé accroché par Seydou, non. Zedatka.
faute de Neymar. Zlatka, là, il a. Sauf qu'il était à bonne école aussi. On cède beaucoup moins d'occasions. Sur la tête de Neymar, ça revient. Kawi, ça passe au-dessus. Dommage pour Saïf Edine Kawi. Bayo et Gigi Odorama qui va laisser filer ce ballon pour s'en saisir ensuite. Mbappé pour Neymar ensuite. L'appel de Messi. Messi qui recherche une solution, il l'a trouvé avec Neymar qui enchaîne en une touche. Ça va passer loin de la lucarne de Desmas. C'est le Paris Saint-Germain à défendre. Mbappé, il est loin. Il va tenter sa chance, Mbappé. Ah, étonnant, hein, il était très très... Petit ballon, Berthomier qui tente sa chance. Au premier poteau, il était cadré. Ce ballon de Berthomier repoussé par Gigi Donnarumma. Ouais, une décision. Une touche peut-être pour Mbappé. Il avait vu le départ de Mbappé. Centre de dessous, il est beau. Deuxième. Pour Messi, ce n'est pas sorti le centre de Mbappé. Messi à la réception, en fait. Position de hors-jeu signalée. Il tente déjà sa chance. Qui est qui a récupéré? C'est Henry qui est passé, qui est entré dans la surface de réparation. Sur le contrôle et sur le dribble, il a fait la différence, Kylian Mbappé. Et ensuite, il y a eu un gros coup de sifflet. Un coup de sifflet de Monsieur Atelier qui désigne de Neymar. Les petits pas pour tromper Desmar. C'est donné 2 buts d'avance au PSG. Paris mène 3-1 sur la pelouse de Clermont grâce à un doublé notamment de Neymar. Appel de Mbappé parti encore à la limite du hors-jeu. Mbappé, le contrôle un peu magnifique pour Mbappé. Le contrôle est bon. Mbappé qui finit cette action magnifique et ce geste délicieux de Neymar qui avait vu partir l'attaquant parisien et qui d'un extérieur du pied droit soyeux. Peut-être Messi avec le ballon sur son pied gauche. Messi, ça passe juste à côté. Il en rigole l'Argentin de voir le cadre. Ça revient vers Mbappé qui a hésité à prendre la frappe de Messi. Mbappé qui a trouvé la lucarne et qui inscrit un triplé. Quel triplé pour l'attaquant français. 5-1 pour le PSG. Grande Mbappé. Mendy, la frappe de Mbappé, le quadruplé peut-être, et qui a offert ce ballon à son compère, à son pote Neymar, qui lui aussi, il va de son triplé. Le récital est total pour le PSG, pour Neymar et pour Mbappé. 6-1. Tại Kiev tuần này, thay vì tìm kiếm nơi trú ẩn ở ga tàu, mọi người đang đi lại bằng tàu điện ngầm. Tất cả các chuyến tàu điện ngầm ở thành phố đã hoạt động trở lại.